Salut et bienvenue là où peu d'hommes sont allés, parfois au bout de leurs forces et au bout du monde, ça c'est certain, dans le Grand Sud comme on dit. Souvenez-vous de l'expédition Shackleton au début du XXe siècle, il y a une centaine d'années. Les îles, les glaces de l'Antarctique étaient sans doute ce qu'il y avait de plus dur à affronter. Les bateaux, la nourriture, les vêtements, rien à voir avec le confort et les instruments dont on dispose aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque, ces hommes prisonniers de l'hiver et de la banquise s'en sont sortis indemnes. Il y a plusieurs raisons à cela, dont leur courage, bien sûr. Des raisons que vous allez mieux comprendre avec celui qui va nous rejoindre sur mon bon vieux bateau et qui partira sur les traces de cette expédition Shackleton l'automne prochain. Luc Hardy, un aventurier qui a signé entre autres de magnifiques ouvrages sur cet univers blanc et gelé. Un périple, figurez-vous, que la famille Poupon, Danon, a voulu revivre, si l'on peut dire, à bord de Fleur Australe. Alors, c'est avec Filou et toute sa tribu, sa famille, que l'on embarque pour commencer. Ils ont quand même du cran pour se lancer dans une telle aventure. Et Luc Hardy, un autre aventurier, nous a rejoint à bord. C'est vrai que l'aventure de la famille Poupon est assez exemplaire. 4 ans autour du monde comme ça, et de la part de Philippe Poupon, partir sur les traces de Serge Shackleton, c'est pas très étonnant. C'est ce que tu as envie de faire aussi. Tu trouves que c'est bien d'emmener sa famille comme ça, parce qu'ils prennent quand même des risques, non? Oui. Bon, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais des expéditions. Certaines, j'ai emmené mes enfants avec. Et je crois que c'est très bien à partir du moment où on ne les met pas dans des situations périlleuses, où ils ont des risques sur leur vie. Le fait de pouvoir découvrir des nouveaux environnements, des personnes, des situations inhabituelles, des paysages nouveaux, des pays nouveaux, c'est fantastique. Finalement, c'est ce qu'on a envie de faire avec sa famille, c'est de vivre des expériences nouvelles qui sortent un petit peu du train-train. Et puis, ce que tu fais aussi depuis un certain temps sur les pôles, principalement, j'allais dire, en Arctique, quand même, c'est ce témoignage. Parce que tu es presque plus un témoin qu'un aventurier, non, finalement? Oui, tout à fait. Bon, j'ai une fibre aventurière qui m'a amené dans ces endroits-là, mais le but n'est pas de faire non plus des choses physiques extraordinaires, mais d'être un peu comme un informateur, un témoin, d'aller dans ces endroits qui sont souvent lointains, reculés, donc comme l'Arctique, l'Antarctique, le pôle Nord, les Himalayas, les glaciers africains, là où j'étais en janvier, en Ouganda. Et puis de regarder ce qui se passe, sans prétendre être scientifique, de collecter de l'information, des données, des photos, de la vidéo, des points GPS, et de transmettre ça à des scientifiques qui parfois sont avec nous et souvent sont en partenariat avec nous. Et donc, on contribue comme ça, à notre façon, à un effort scientifique dont on a besoin par rapport notamment à ces problématiques de réchauffement climatique, bien sûr. Alors, Luc Hardy nous fait saliver, et toute une jeune génération, parce qu'il en a emmené des enfants, justement, en Arctique. Je me souviens de ce très beau livre, c'était en 2008, cette expédition. Oui, exact, vous étiez parti sur le pôle Nord, enfin, sur la zone banquise, pour montrer cette dégradation de cette masse de glace. Ouais. Et c'est un très beau témoignage, c'est une belle aventure pour les enfants. Moi, je vais le faire saliver avec un petit plat que Georges et Diana nous ont préparé. Tu sais ce que c'est, ça? C'est un l'oyster cocktail. Toi qui es franco-américain, breton les belles couleurs vertes et toutes les nuances de la montagne. Alors, l'huître sauvage, bien sûr, avec du bœuf boucané, s'il te plaît, quand même, comme les marins, finalement, les marins, comme tu es. Avec une perle, je lis mes petites notes parce que sinon on s'y perd. Hein. Ouais. Avec une perle, s'il te plaît, de moutarde de mer roulée dans le goémon fumé et le citron kombava. Ça, le kombava, ça te rappelle d'autres. Oui. Je dirais que là, moi, celle qui me plaît le plus, c'est la pimprenelle, celle-là. Mm-hmm. Alors, vas-y, régale-toi, puis dis-moi ce que tu en penses. Déjà, la couleur, elle est exceptionnelle. Ça me rappelle tout à fait la Bretagne Nord, d'où je suis, Saint-Malo et ces coins-là, la côte d'Emeraude. Oui. Mmh. C'est un peu salé parce que il y a le rapistrome, notre fameux radis sauvage. Mmh. Pas mal, non? Ça te plaît, puis t'as délicieux. Tu veux venir comme un cuisinier sur ta prochaine expédition? Je t'enverrai, je vais dire là, parce que les foudingues sont experts, mais ils ont quand même besoin d'herbes sauvages. Mais c'est vrai que... Très bon. On pouvait très bien manger à bord. Je sais pas si Shackleton s'est nourri comme ça, parce qu'on en parle pas. Il avait peu après quelques temps. Après quelques temps, c'est sûr, il avait plus beaucoup de verdure, puisqu'il n'y en a pas là-bas, donc c'était vite consommé. C'est vite devenu du pingouin et du phoque pour les 2 ans qu'il a passé là-bas.
Ce qui est extraordinaire, à mes yeux, je ne sais pas si je me trompe, mais toi qui as bossé sur cette expédition, au point de vouloir repartir sur les traces, c'est l'automne prochain, je pense, c'est la première fois que l'homme réussit un tel exploit en milieu aussi hostile, au début du XXe siècle. Oui, certainement. Et dans ces endroits-là où très peu de gens avaient été, faire ce qu'il a fait, qui est finalement plus exceptionnel de son échec d'une certaine manière, puisque son plan était de traverser l'Antarctique par le pôle sud, de ressortir par le sud. Le fait que l'expédition elle-même, la traversée, ait échoué, a rendu l'expédition beaucoup plus exceptionnelle et l'exploit beaucoup plus intense. C'est certain. Après 2 ans, avoir ramené tous ces hommes en bonne santé, en vie, c'est exceptionnel. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir côté pôle sud, donc Antarctique, alors que j'ai l'impression que tu as une vraie passion pour l'Arctique et pôle nord et banquise? Alors, l'Arctique a l'avantage d'être une zone où il y a des populations, donc notamment dans nos domaines de regarder ce qui se passe en termes de changement climatique, on peut voir l'impact non seulement sur la faune et la flore locale, mais aussi sur les communautés humaines, bien sûr. Voilà. Alors qu'en Antarctique, finalement, zone importante, bien sûr, mais il n'y a que des scientifiques ou des ennemis. Oui. Et qu'est-ce que tu ramènes de ces endroits comme souvenir en général? Parce que tu fais énormément de photos. Oui, merci. Oui, des souvenirs, des observations. Bon, ça, c'est ancré dans la mémoire, c'est certain, mais en termes de témoignages, c'est beaucoup de photos, un petit peu de films. Parfois des objets, ça peut être un petit ossement de lemming au Groenland, des plumes de chouette également, ça peut être... Tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que je t'ai dit, tiens, ramène-moi un souvenir de là-bas. Mm-hmm. J'aimerais bien savoir ce que tu... Oui, alors t'as droit encore à une bouchée, et puis j'allais ouvrir ton sac là-bas. Très bien. Alors, montre-moi et parle-moi de ce caillou. C'est marrant, on dirait d'ailleurs un morceau de sculpture. Oui, tout à fait. On voit des ondulations. C'est en fait un morceau d'Antarctique, puisque l'Antarctique, en fait, sous les quelques kilomètres de glace, c'est de la pierre et de la terre. Hein. C'est un continent, c'est pas bien sûr comme le pôle Nord. Donc lui aussi, c'est un témoin. Voilà, c'est un morceau de pierre donc, que j'ai ramené en 2003. Suite à cette expédition, il était à peu près à 1000 km du pôle Nord et j'étais avec des scientifiques de l'NSF, qui est l'équivalent du CNRS aux États-Unis. Et j'ai travaillé 2 jours avec ces scientifiques. On a installé une station GPS sur ces cailloux, des cailloux qui ont été ouverts pour planter cette petite station. Et j'aurais demandé la permission de prendre un memento de ce voyage, ils m'ont dit, bien sûr, voilà. Il est sur mon bureau depuis 10 ans. Tu voyages d'un pôle à l'autre, d'un hémisphère à l'autre, et tu voyages dans le temps aussi, finalement. Parce que, entre une banquise qui a quel âge, la banquise 5000 ans, 6 000 ans. Alors, il y a effectivement des morceaux de banquise que l'on a vu au Nunavut, dans l'Arctique canadien, qui ont 5000 ans, plus anciens que les pyramides, et qui se détachaient quasiment exactement les jours où nous étions en train de marcher sur cette banquise. Donc, c'est à la fois exceptionnel et fantastique, et puis triste à la fois aussi, puisque c'est de la banquise c'est de la glace qui va fondre, disparaître dans les courants de l'océan Arctique et qui ne se reformera plus dans nos générations. Est-ce que toi, pardon pour l'expression, gamin, tu avais ces rêves comme ça de lointain? Oui, alors moi j'ai eu effectivement très jeune des envies. Alors à l'époque, on n'allait pas sur Google pour voir où on voulait aller. Mais je collectionnais les timbres. C'est une habitude et une manie que m'avait transmis mon père. Donc très très jeune, je manipulais des timbres de Wallis et Futuna, du Siam, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et je pense que c'est ça en partie qui m'a fait rêver à tous ces endroits. Et dès que j'ai eu l'occasion, un peu plus tard dans ma vie, adolescent, j'ai commencé à partir en Belgique, Angleterre, Afrique et beaucoup d'autres pays
et beaucoup d'autres pays par la suite. Et donc, hormis l'expédition en Shackleton, on y reviendra un court instant, le prochain voyage pour toi, c'est lequel? Encore de la glace? Alors oui, un petit peu, mais dans un pays très, très différent, puisque je pars fin mai, une quinzaine de jours en Iran, pour aller gravir Mont Damavan, qui est la plus haute montagne du Moyen-Orient et d'Iran, pour regarder en fait des problématiques environnementales. Bon, quand on parle de l'Iran, c'est pour des problèmes géopolitiques bien, bien connus. On n'en parle jamais. Oui, historique, archéologie, voilà, notre levant de terre, bam, qui a disparu. Voilà, etc. Exactement. Ça, c'est un vieux rêve. Mais on n'en parle quasiment jamais pour des sujets environnementaux. Or, ce sont des sujets importants. Il y a des lacs en Iran dont le niveau baisse aussi. Ça affecte les populations locales. Il y a des sujets environnementaux importants et je connais personnellement assez peu cette partie du monde, donc là aussi, curiosité d'aller faire quelques observations dans cette région. L'expédition Shackleton en automne partira avec des gens très différents les uns des autres, je crois, autour tout de toi. Tout à fait, vraiment. Presque une expédition, comme à l'époque où Shackleton avait des marins venus d'un peu partout sans forcément les connaître. Oui. Tout à fait. Alors, bon, Shackleton, il a recruté ses 27, son équipage de 27 personnes, beaucoup sur l'instinct, mais des gens complémentaires, différents, bien sûr, cuisiniers, photographes, capitaines, scientifiques, etc. Donc, il y a un petit peu de ça dans l'expédition, puisqu'on va être 9 personnes, en m'incluant, et des gens très différents. Voilà, donc un mélange dont on ne sait pas encore ce que ça donnera. C'est un peu le but aussi de ne pas être sûr de ce qui va se passer. Bien sûr, c'est le but de l'aventure, par définition. Merci pour ce beau témoignage, Luc. Tu viendras nous raconter aussi l'histoire de cette expédition un petit peu plus tard. Moi, j'étais très heureux de vous présenter un homme qui ouvre le terrain de l'aventure à tout le monde, comme tu le sais depuis de nombreuses années. Merci aussi pour ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et forcément au bout du monde. Salut.